spécialement toutes celles qui nous écoutent. Bonne fête des mères en confinement, vous n'allez pas l'oublier celle-là, hein? Votre fête des mères 2020 en confinement. Votre tendre moitié vous invitera au restaurant ce soir. En tout cas, peut-être qu'il ira vous chercher. Il ira vous chercher un plat prêt à emporter. Il va faire un pick-up, comme on dit. Mais j'espère que tout le monde va bien. C'est une petite journée qui est assez frisquée. Pour un 10 mai, je vous avouerai, ce matin, on n'était pas loin du point de congélation ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Moi, j'arrive de mon 5 km de jogging. Je suis rendu à 5 km. Je peux vous dire que ça va bien. J'en ai fait un hier aussi, donc j'essaie d'en faire à tous les jours, sinon à tous les deux jours. Il faut se garder occupé, il faut se garder en forme surtout. Un système immunitaire fort, c'est ce qui vous permet de combattre toutes les maladies, les virus et les bactéries. Et si vous avez un système immunitaire fort, vous allez vous tenir loin des vaccins et des médicaments. J'aimerais vous rappeler que 70% de la population mondiale fait l'utilisation d'une médication de quelque sorte que ce soit. Donc, la majorité de la population mondiale carbure aux produits chimiques, carbure à la drogue, carbure à l'alcool. L'eau qu'on boit est remplie de chimiques. L'air qu'on respire est rempli de produits chimiques. Et la bouffe qu'on mange est remplie de produits chimiques. Donc, on fait face à une soupe toxique incroyable. Probablement personne dans l'histoire de l'humanité aura eu à traverser autant d'obstacles chimiques. Naturellement, il n'y a personne qui est là pour vous renseigner sur ce sujet-là. Il n'y a personne qui est là pour vous dire que c'est important de faire attention à ce que vous mangez, de faire attention à votre système immunitaire, malgré tout, malgré les produits chimiques qui sont là et auxquels on s'est probablement habitué, hein, à un certain niveau, parce qu'il y a quand même la moyenne d'âge de longévité qui continue à augmenter. On doit sûrement s'habituer. On voit la quantité de personnes âgées de plus en plus en forme, celles qui ont fait attention toute leur vie, bénéficient du mode de vie avec précaution qu'elles ont eu, toutes ces personnes-là, tout au long de leur vie, bénéficient maintenant d'une vieillesse en forme et en santé. Pour les autres, on le voit, pour ceux qui, et celles qui sont encore en vie puis qui vivent longtemps, mais qui n'ont pas eu un mode de vie exemplaire ou qui ont fait moins attention ou dont la génétique peut-être était moins forte, bien, ont des vieillesses beaucoup moins agréables. Hein? Moi, j'en vois dans le métier que je pratique de serveur, une quantité de gens âgés qui profitent de leur vieillesse parce qu'ils sont en forme et une quantité probablement égale et peut-être plus nombreuse de personnes âgées qui vivent des derniers jours misérables avec des médicaments, des maladies, des douleurs, des visites chez le médecin à tous les jours ou à tous les deux jours ou trois ou quatre fois par mois avec des suivis, avec des impossibilités de voyager trop loin parce que leurs conditions ne leur permettent pas. Donc, c'est quand tu es en santé que tu dois penser à préserver cette santé-là avant qu'il soit trop tard. Quand tu es rendu malade, tu ne peux plus retrouver cette santé. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscientisés à ça. Et c'est quand tu arrives à un certain âge et que ça commence, hein, l'hécatombe, à s'abattre sur toi, que tu réalises que probablement tu as vécu toute ta vie dans l'erreur. Mais c'est un peu tard pour changer la direction de tout ça. Puis tu dois accepter ton sort et utiliser la médecine et la médication pour t'aider à continuer. Donc, prenez conscience de l'importance de votre santé, de votre mode de vie, sachant que, oui, l'eau est remplie de produits chimiques, que la bouffe est remplie de produits chimiques, que l'air est rempli de produits chimiques. On a quand même développé une résistance à ça. Et là, c'est à partir de là que tu dois faire attention et mettre toutes les chances de ton côté en naturellement abusant pas des drogues, de l'alcool, de l'alimentation faible en apport vitaminique et ainsi de suite. Parce que quand tu seras malade, il sera un peu tard pour y penser. Ceci étant dit,
je vous ai parlé. Je suis probablement un des seuls d'ailleurs. Je suis vraiment fier de ça. De ne pas être sombré dans le conspirationnisme, dans la folie qui a vraiment atteint l'ensemble de la population. De la moitié qui sont là à délirer avec la crise actuelle et le virus et qui ont une peur vraiment incontrôlée, une phobie de ce virus-là et qui s'empêchent de vivre et qui seraient prêtes à s'empêcher de vivre à cause de ça. Puis t'as l'autre moitié qui a sombré dans la folie conspirationniste à partager puis à croire que c'est une fake news puis que ça n'existe pas puis que on cherche l'origine puis patati et patata. T'as deux clans complètement facilement identifiables qui sont en train de perdre leur temps, tous les deux. Puis je l'avais prédit, ça. Je vous l'ai dit, ça va être... C'est des gens qui vont être là toute leur vie, maintenant, à essayer de prouver quelque chose qui est improuvable, puis qui vont naviguer avec ça sur leurs réseaux sociaux, leur chaîne YouTube, jusqu'à ce que le citron soit pressé complètement. Comme avec les attaques du 11 septembre, hein, les conspirationnistes qui ont... Encore aujourd'hui, mais c'est, ça a vraiment... Le citron a été vraiment pressé. Donc, on en voit beaucoup moins, mais... T'en as encore qui ressuscitent des vieilles vidéos de conspiration, que c'est une job qui était faite de l'intérieur, puis ainsi de suite. Tu pourras jamais prouver ça. Puis, comme l'assassinat de JFK, hein, naturellement, le citron a été pressé là, plus qu'une fois. La caisse de citron a été pressée dans le cas de JFK et de qui l'avait assassiné, mais il y a encore des gens qui perdent leur temps avec ça. Puis, je vous avais prédit que ça arriverait avec cette histoire de coronavirus et que les gens ne verraient pas l'important et... Tout l'important et tout ce qui est important leur passerait sous le nez parce qu'ils seront pris soit dans le camp des paranoïaques ou dans le camp des conspirationnistes et à perdre leur temps, puis à perdre leur temps. Puis là, on parle de l'ensemble de la population qui est là-dedans, dans ces deux catégories-là. Et pendant ce temps-là, il n'y a personne qui voit l'essentiel, puis moi, je suis le seul, puis je suis vraiment fier d'avoir été en mesure de m'élever au-dessus de ça, de me contrôler, parce que ça aurait été facile pour moi de partager toutes sortes d'imbécilités, de folies, de démagogies, de nouvelles non fondées, parce qu'il y en a à tous les jours au moins une centaine, puis j'ai tous les liens de ça. Ça aurait été tellement facile de me faire du capital là-dessus, de me faire des abonnés à la tonne, mais je ne l'ai pas fait parce que moi, je joue plus ce jeu-là. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. J'ai une autre mission, puis vous allez la découvrir bientôt quand on reviendra à la vie pseudo-normale. Mais pour l'instant, je suis vraiment fier de ne pas avoir sombré là-dedans puis d'avoir été le seul à voir ce qui s'en vient puis à toujours parler de ce qui s'en vient puis de vous prévenir de ce qui s'en vient. Donc, j'ai toutes les preuves vidéo de ce que j'ai avancé puis de ce dont je vous ai parlé. Donc, les gens ne pourront pas me dire « Ouais, t'inventes ça après, tu t'es rattrapé. » Non, tout est là puis ça fait des mois que je vous parle de ça. D'abord, ça faisait des mois que je vous parlais de l'importance de ce virus-là avec les images que je vous partageais provenant de Chine depuis décembre, janvier, février sur ma chaîne, sur Patreon, que c'était pas n'importe quoi, ce virus-là. Puis après ça, j'ai tourné mon argumentation pour me concentrer sur la grande transformation que ça va nous amener, qu'on ne verra plus jamais la vie comme avant, puis ce ne sera plus jamais possible de revivre la vie d'avant, puis que nos gouvernements, nos gouvernants, nos élus ont profité, ont attrapé ce ballon-là au vol pour justement transformer toute notre économie, tout notre système. Est-ce que ça sera mieux? Je ne le sais pas. Est-ce que ce sera pire? Je ne le sais pas. Mais moi, je vous l'ai dit, préparez-vous. Et là, maintenant, de plus en plus de gens, même de médias traditionnels, hein, du mainstream média, commencent à vous dire que vous ne retrouverez plus jamais votre économie, que la vie qu'on avait avant n'existera plus. Donc, moi, j'étais là depuis des mois à vous dire ça, bien avant ces pseudo-spécialistes. Donc, je suis vraiment fier de ça. Puis d'être vraiment fier d'avoir mis l'accent sur ça. Parce que le reste... C'est tellement de la distraction, puis c'est tellement inutile publiquement, c'est tellement inutile pour de savoir qui a trouvé, qui a fait ceci. Ça change quoi dans vos vies? Ça va changer quoi dans le désastre que vous vivez en ce moment, économique, dans le marasme, puis dans lequel on va se retrouver par la suite? Ça change rien, ça donne absolument rien, ça fait pas avancer l'humanité d'un iota. Et surtout, tu pourras jamais prouver ça, tu pourras jamais prouver quoi que ce soit. Sauf que la réalité est la suivante. Ils vous le disent maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a des millions, des centaines de millions d'emplois qui vont être perdus. Des dizaines de millions de petites entreprises familiales qui vont disparaître.
Puis on va se retrouver naturellement avec une économie socialiste, marxiste, j'imagine, contrôlée par une poignée de corporatistes et de grandes corporations qui vont tout distribuer, tout produire. Vos moyens de transport vont complètement changer. C'est juste une question de temps. On va vous imposer un autre mode de vie. Pas que ce sera gratuit. Vous allez toujours être accroché à un compteur parce que ces gens-là ne sont pas là pour vous libérer financièrement. Quand on fait la promotion de l'énergie verte, les gens voient ça comme si c'était pour les libérer de quelque chose. Non, tu es toujours accroché à un compteur. Tu es toujours en train de payer. Puis c'est toujours les mêmes élites et les mêmes empires financiers qui empochent cet argent-là, que ce soit au niveau de l'électricité avec vos voitures électriques ou au niveau du pétrole avec vos voitures à essence. Vous êtes toujours accroché à un compteur, puis vous êtes toujours en train de payer. Puis c'est toujours le même monde qui est caché derrière ces entités énergétiques. Donc, tout va changer. Il y a combien de gens qui vont se retrouver sans travail dans quelques semaines, quelques mois? D'ailleurs, on vous dit que vous ne sortirez pas de cette situation-là avant au moins 18 à 24 mois. J'écoutais ce matin Euronews et State of the Union, où on nous disait qu'il n'y a rien qui va revenir à la normale tant qu'on n'aura pas ce foutu vaccin. Donc, si vous pensez que vous allez revenir à la normale avant ce vaccin-là, oubliez ça, les distanciations sociales, les plexiglas, les restaurants fermés, les cinémas fermés, les grandes manifestations sportives, artistiques vont être impossibles à tenir pendant très longtemps. Même d'ailleurs, l'école, j'ai pas vraiment besoin d'être un devin pour vous prédire déjà qu'en septembre, il y a des grandes chances que ça ne reprenne pas, parce qu'il y aura sûrement une deuxième vague. Et c'est pour ça que, même si ça n'a aucune logique, on fait reprendre dès demain, ici au Québec, l'école aux étudiants de secondaire, entre autres, via les cours en ligne. C'est sûrement pour déjà les habituer. Parce qu'il n'y a aucune logique à reprendre des cours en ligne avec un mois qui nous reste, avec un cours par jour. C'est absolument aberrant. Il n'y aura pas d'examen. C'est seulement pour, naturellement, habituer les enfants à ce nouveau mode d'enseignement, probablement pour au moins peut-être la prochaine année ou les prochaines années. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, on voit plein d'entreprises, hein, comme Aldo, le groupe Aldo, pour lequel j'ai travaillé dans les années 80 et 90, qui s'est placé sous la loi de la faillite parce que, avec 3000 boutiques et un confinement total, et on sait que les centres commerciaux, c'est les derniers endroits qui pourront réouvrir. Hein? On va réouvrir les gens qui ont des commerces sur la rue avant d'ouvrir des grands centres commerciaux. Ces gens-là ont des dépenses extraordinaires et là se disent, on continue à faire des ventes via l'Internet, via les achats par Internet. Pourquoi se casser la tête à payer des loyers, signer des baux, faire entrer l'électricité, le téléphone, les employés, l'inventaire, les casse-têtes de tout ça, les charges fixes, quand tu peux tout vendre via Internet. Donc, vous allez voir une grande transformation. Et je suis tellement content d'avoir été le seul et unique, en tout cas de tous ceux que je connais qui ont des chaînes d'intérêt public, le seul à s'être constamment concentré là-dessus et de ne pas avoir perdu son temps avec le virus, la dangerosité du virus, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Cette distraction, cette perte de temps qui a fait qu'il n'y a personne qui est préparé à ce qui s'en vient. Sauf tous ceux qui m'ont écouté puis qui ont pris ça au sérieux. Il y en a quand même qui m'ont écouté puis qui ont pris ça au sérieux. Les autres, vous allez être dans un choc vraiment, vraiment incroyable quand vous allez vous réveiller et qu'il y aura des centaines de millions de chômeurs dans le monde. Et ça va sûrement nécessiter, de la part de nos gouvernements, un nouveau système. Puis ce nouveau système-là, c'est sûrement ça qu'on est en train de dessiner, parce qu'on le sait ce qui s'en vient, parce qu'on fait, et d'ailleurs on étire cette crise-là de confinement parce qu'on veut faire tomber ce système de surconsommation et de consommation d'énergie fossile chez nos dirigeants. L'ensemble des pays du monde est complètement d'accord qu'on doit absolument éliminer, puis ça c'est leur vision, le mode de vie qu'on a, qui est basé sur un vieux système économique né avec l'industrialisation, de la surconsommation, de la compétitivité, des conflits,
des guerres, des inéquités, des gains et de la surconsommation, de la surexploitation de l'individu, de la surexploitation des ressources naturelles. Et jusqu'à l'élection de Donald Trump, même les États-Unis étaient dans cette vision-là. Les États-Unis sont tout seuls de leur côté, complètement isolés, et on voit à quel point ils sont complètement, complètement détruits et ravagés par la crise actuelle, plus que n'importe qui, avec le plus grand nombre de cas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux dès le début. Donald Trump qui nous disait c'est un hoax, c'est une fumisterie des démocrates. Donald Trump qui a mis tous ses œufs dans le même panier de l'énergie fossile et du pétrole et du charbon, ont complètement, complètement isolé les États-Unis du monde entier. Et aujourd'hui, les Américains se retrouvent dans la plus grande misère avec un système qui est incapable de leur donner des soins de santé adéquats. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec le plus grand nombre de décès et de cas aux États-Unis. Ensuite, on se retrouve avec des gens qui sont dans une misère incroyable parce qu'il n'y a aucun tissu social aux États-Unis, aucun filet social. Les gens sont obligés de réouvrir comme cette coiffeuse du Texas, hein, qui n'a aucun revenu, puis le gouvernement aide seulement les plus gros, et tout l'argent que le gouvernement a voté dans ses plans d'urgence a été accaparé par les grosses institutions financières qui redistribuent ça après ça à qui bon leur semble. Cette pauvre propriétaire d'un salon de coiffure qui a été condamnée par un juge complètement insolent à 7 jours de prison, mais qui a été libérée parce que le gouverneur du Texas a promulgué un décret pour complètement rendre illégal l'emprisonnement des gens qui ne respectent pas le confinement. Cette femme-là a été libérée 2 jours après, une chance. Mais ça vous démontre à quel point, aux États-Unis, il n'y a absolument aucun soutien du gouvernement pour les citoyens ordinaires. Le soutien est là juste pour les gros. Et ça s'est encore plus accentué sous la présidence de Donald Trump et des Républicains, qui ont coupé pendant 3 ans toutes les aides alimentaires pour les plus démunis et tous les services sociaux pour les plus démunis pour imprimer de l'argent à donner à leurs amis de Wall Street. Ça, c'est la réalité quand même que tu essaierais de débunker ça, mon ami, tu es incapable parce que c'est des faits. Donc, l'ensemble du monde est en train de dessiner un nouveau système et moi, je vous le dis, je suis tellement fier d'avoir été le seul à être rationnel puis à m'occuper des vraies affaires parce que c'est important de s'occuper des vraies affaires et non du délire de psychopathes et de schizophrènes, parce qu'il y a tout, il y a tellement de gens malades. Mentalement, hein, notre société est probablement à 70 % composée de gens qui sont, d'une façon ou d'une autre, à certains niveaux, atteints d'un type de maladie mentale. Et c'est pas parce que tu es atteint d'une maladie mentale que tu ne pourras plus fonctionner. Ces gens-là ont des familles, des enfants, vont travailler, mais sont atteints d'une maladie mentale. Et d'ailleurs, Pebble, qui à chaque année fait sa petite levée de fonds, hein, de texto là, pour lever des fonds pour la maladie mentale, parce que c'est répandu, parce que les gens ont plus de base morale, ont plus de base de connaissances, donc sont obligés de se laisser à eux-mêmes et à leur vide et s'en vont dans toutes sortes de directions pour essayer de donner un sens à leur vie, parce qu'on ne leur a pas montré comment donner un sens à leur vie. Et c'est ça qui va être une de mes tâches puis de mes missions dans un avenir rapproché quand on pourra revenir à la normale ou presque. Là. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Je suis vraiment heureux de pouvoir apporter un peu de rationalité et d'équilibre dans toute cette situation complètement cacophonique, et chaotique. Et franchement, je suis tellement heureux d'être capable de rester rationnel parce que j'ai trouvé l'équilibre. J'ai trouvé l'équilibre pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'ai réalisé que j'étais responsable de ma misère et de mon malheur. Il n'y a personne d'autre. Et quand tu te réalises ça, ben, c'est là que tu te transformes. Parce que si tu veux commencer même à penser à changer le monde, il faut d'abord que tu te changes. Parce que si tu ne fais pas ça, mon chum, ça va être qu'une perte de temps et une illusion que tu te donnes. Juste une illusion. Donc, je suis vraiment heureux et vraiment fier d'avoir été capable de garder le cap sur l'intelligence, la rationalité, puis être capable de voir ce qui s'en vient. Donc, ce qui s'en vient, ça ne prend pas la tête à Papineau. Tu vas avoir tellement de monde qui vont être sans emploi, inactifs, que les gouvernements n'auront pas le choix d'arriver avec un revenu minimum garanti pour ces gens-là, pour tout le monde. D'ailleurs,
les médecins, les avocats, tous ceux qui sont de profession libérale, eux, leur vie changera pas vraiment. On parle ici de l'ensemble de la population qui représente à peu près 80 % hein, de la population, qui est une population ouvrière, qui, elle, dans plusieurs cas, va perdre son emploi. Mais on va être obligé d'établir une espèce de communautarisme, revenir à une espèce de service civil, mais qui va durer toute ta vie. Parce que là, on le voit dans la crise, pendant que ça compte, bien, il n'y a pas assez de gens, de travailleurs et de travailleuses qui sont capables de s'occuper des malades, des démunis, des abandonnés. Donc, comme on n'aura plus d'emploi pour la plupart, bien, et que tu auras un revenu minimum garanti et qu'on s'en va vers une autre société, hein, tu n'as pas le choix. Tous les astres sont alignés pour ça. Bien, on te fera faire une espèce de service civil qui sera permanent jusqu'à la fin de tes jours. Tu t'occuperas de ta communauté. Et c'est comme ça qu'on reviendra peut-être à un mode de vie plus normal, plus sain, plus simple. Et ton gouvernement te financera. D'ailleurs, les gens vont dire « Oui, mais l'argent viendra d'où? » C'est parce que là, on vient de voir pendant la crise que l'argent, c'est pas un problème. On peut l'imprimer autant qu'on veut. Tant qu'on garde l'entente entre nous puis la perception que cet argent-là a une certaine valeur, mais qu'une valeur qui repose sur l'air ambiant seulement, là, bien, tant qu'on a la perception que cet argent-là a une valeur, bien, tu pourras toujours avoir cet argent-là puis l'échanger. Puis tu auras toujours des écarts quand même, hein, entre les plus nantis, les gens de profession libérale et la classe ouvrière qui représente 80 % de la population. Ça, ça ne changera pas. Sauf que toi, tu seras assigné à d'autres tâches. Puis cette surconsommation-là, tu n'as pas le choix, il faut l'arrêter. La planète est à bout de souffle. La planète est à bout de souffle, mais aussi l'humain est à bout de souffle. Pense à la vie que tu menais avant. Une vie complètement, complètement, complètement déréglée. Toujours, toujours en action, en train de courir, en train d'être sur le plus haut niveau de stress, d'ailleurs, qui amène toutes les maladies que tu peux imaginer, le stress. Hein? Toujours en train de courir après ta queue pour essayer d'acheter quelque chose, essayer de payer quelque chose, puis essayer de continuer à survivre dans ce monde de surconsommation. Donc, tout le monde était à bout de souffle. La planète était à bout de souffle. Les peuples étaient à bout de souffle. Les gouvernements aussi sont à bout de souffle. Donc, c'est inévitable. Je suis tellement heureux d'être resté le seul à vous avoir parlé de ça à tous les jours, de vous préparer que les grands changements s'en viennent et de ne pas vous préoccuper. Combien de fois je vous ai dit, arrêtez de regarder les nouvelles, arrêtez d'écouter les réseaux sociaux. Occupez-vous de vous. Bien, tous ceux qui ne l'ont pas fait, bien, vous allez avoir un réveil incroyable. Puis après ça, tous les gens qui t'auront fait perdre ton temps, eux autres, ils vont t'oublier, là. Ils ne seront pas là pour t'aider à te ramasser à la cuillère. Puis tous les dons que tu as donnés à Alexis Cossette, là, il ne te les remboursera pas, là, lui, pour fausses informations. Puis de t'avoir traîné, puis de s'être moqué de toi. Les autres, ils ne te rembourseront pas cet argent-là, ils le gardent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir... Je suis vraiment heureux d'être resté tellement rationnel et tellement, tellement focus. Mais ça, c'est dû à moi, à ma transformation aussi. Et là, quand tu te transformes, je peux te dire une chose, il y a plein de choses qui se produisent. D'abord, que tu ne peux plus arrêter. Il y a juste une direction, puis c'est toujours dans cette direction-là que tu dois aller, parce que maintenant, tu sais, tu connais, tu sais ce qui se passe. Et tu ne peux plus t'arrêter. Et tu le sais que c'est une vie à sens unique que tu as après. Comme Mère Teresa ne pouvait plus s'arrêter, comme les Gandhi ne pouvaient plus s'arrêter. Je ne me compare pas à eux, mais je vous dis, quand tu as trouvé ta voie, tu ne peux plus t'arrêter. Peu importe ce que sera ta voie, tu ne peux plus t'arrêter. Et tu es obligé aussi, c'est comme dans l'instinct naturel, de le partager. Pense à toutes les belles œuvres d'art qui ont été créées partout. Mais ça semblait au début impossible, hein, quand ils avaient ça dans leur conscience, dans leur tête, et qu'ils commençaient à penser à créer. Si ces gens-là n'étaient pas passés à l'action, bien, tu ne verrais pas ces beaux tableaux-là dans les musées, tu ne verrais pas ces belles sculptures, tu ne verrais pas ces belles architectures et tu ne verrais pas ces beaux accomplissements-là si Mère Teresa avait décidé de rester chez elle. Donc, une fois que tu as trouvé, tu ne peux plus t'arrêter. Et comment tu fais pour commencer? Bien, tu commences. Comment tu fais pour trouver ça? Il faut que tu débutes quelque part. Let's get started, comme on dit en anglais. Tu n'as pas besoin d'attendre la perfection. Tu dois commencer. Dès que tu as un feeling, un sentiment de quelque chose, arrête de garder ça dans ta tête. Parce que souvent, ça naît dans le cœur, tout ce qu'on veut faire. Hein? Toutes nos intentions, nos créations, nos envies, nos désirs. Puis après ça, on envoie ça où? On envoie ça dans la tête. Puis là, ça reste dans la tête des fois toute la vie. Parce que la tête, c'est pas le cœur. Donc, quand tu as ça dans le cœur, mon chum, attends pas.
Commence. Just get started. Comment tu fais pour réaliser ce que tu as à faire dans la vie? Commence. Attends pas. Envoie pas ça dans ta tête, parce que si tu l'envoies dans ta tête, ça va rester là longtemps, mon chum. Très longtemps. Et ça va être important de comprendre ça. Puis c'est là-dessus que je vais me concentrer pour le restant de mes jours, probablement. Puis c'est ça que je veux. Puis c'est moi qui l'ai décidé. Puis j'ai commencé déjà. Donc, je suis vraiment heureux de vous retrouver puis d'être celui qui est l'esprit, le Saint-Esprit dans la maison de fou dans laquelle on vit, qu'on va essayer de rendre de plus en plus de gens saints d'esprit, parce qu'on va en avoir vraiment besoin dans les moments qui s'en viennent. Encore une fois, joyeuse fête des mères. Puis là, je suis devant, je vais vous montrer une chose en terminant. Moi, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tu as le petit parc ici, il n'y a personne, c'est un beau dimanche. Puis on a la chance d'avoir le cimetière. Et il y a quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui a déjà dit, et écoutez bien ça, quand vous regardez toutes ces pierres tombales-là ici, Monsieur Proulx, Madame Proulx, Monsieur ou Madame Lebel, puis tous ceux qui sont là. Alors, vous voyez le cimetière, là, il est là. Les plus grandes richesses, les plus grands trésors, tu ne les trouves pas dans des mines de diamants. Tu ne les trouves pas non plus dans des mines d'or ou dans des gisements de pétrole. Les plus grandes richesses, tu les retrouves ici, au cimetière, avec tous ces gens qui probablement seront morts avec leurs rêves, avec leurs idées, avec ce qu'ils auraient pu réaliser, avec leur génie, parce que ils n'ont jamais, jamais commencé. Ils ont eu une création, une idée, une envie, un désir dans leur cœur, puis ils l'ont envoyé dans leur tête, puis toute leur vie, ça aurait été justement ça, rien. Et quand tu arrives à la fin, sur ton lit de mort, imagine le drame quand tu réalises que toute ta vie, tu l'as vécu pour ignorer tes rêves, tes ambitions, tes envies et ton génie. Les plus grandes richesses sont ici, dans un cimetière. C'est vraiment ça qui m'a réveillé. J'ai vraiment pas envie de mourir avec mes rêves, ces rêves que j'ai eus depuis ma toute jeune enfance, de vouloir comprendre et expliquer pourquoi il y a autant de misère et pourquoi il y a autant d'injustice. Finalement, j'arrive à ce que je voulais depuis toujours. Donc, il ne faut jamais abandonner, mais il faut juste commencer. Ça m'aura pris 45 ans à me décider à commencer. Mais avant ça, il faut avouer aussi, ce qui aide toujours, c'est de te transformer avant de commencer. Parce que si tu ne t'es pas transformé, ben tu ne commenceras jamais. Puis si tu commences, ben ça va être dans la mauvaise direction. Joyeuse fête des mères, on se retrouve bientôt. Il y a Ben qui vous dit « Bonne fête des mères! » Hein, Ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on dit aux mamans? « Bonne fête des mères! » Et je vous retrouve sûrement bientôt.